أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut permettre nous pour continuer à apprendre ce dîn, malgré qu'il nous peut vivre dans un jour qui est bien difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nos compréhensions dans le dîn, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre ce dîn-là, pareil comme ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Nous continuons avec Surah An-Naba. Donc, commençons de sa sourate là, comme on l'expliquait. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant une situation qui peut prévaloir dans la péninsule d'Arabie au moment que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire da'wa. Quraysh peut cause concernant sa message qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait terminer là, concernant le Coran, concernant le fait qu'il y ait un dimoun qui a une révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu peux croire, et là, tu peux faire couffre, et là, tu peux faire bouffon. عَمَّا يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à faire du monde réfléchir. L'auban qui tous, qui du monde trouvé autour de eux. Al-arda mihada, wal-jibala awtada. Et dans la création insane, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Dans la vie insane, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. La pluie, le ciel, le soleil, c'est un signe qui vient nous trouver. Grandir Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une preuve concernant l'existence est bon Dieu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna yawm al-fasli ka'liqada » Allah subhanahu wa ta'ala cause l'auban, cause concernant le jour qu'il malgré qu'il paraît loin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna yawm al-fasli ka'liqada » Ça, un jour qu'il c'est un jour qui est une fini fixée sur les ça. Il finit fixé sur l'air et peine à aucun doute les pour arriver ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donne une description concernant ce qui peut atteindre, une tarine, une rebelle, une désobéissance, une qui transgresse la loi. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala décrit certaines punitions qu'il fait de réserver pour eux. Et Allah finit sa bout là pour dire فَذُوقُوا فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Et goûter, goûter.